Accueil pour le moins chaleureux hier soir à l'aéroport de Montréal pour ceux et celles qui se sont dépassés au jeu de la Corée. Et Shani, une délégation bien sentie attendait notre triple médaillé, Kim Boutin. Absolument. Après tous ces efforts, Kim Boutin, enfin de retour chez elle. Donc, une cinquantaine de personnes, des parents, des amis, des admirateurs qui se sont déplacés jusqu'à l'aéroport à Montréal pour l'accueillir. Vous savez, ils l'ont suivi pendant les Jeux. Ils avaient hâte de la serrer dans leurs bras, de leur donner des félicitations. Donc, Kim Boutin savoure son succès, mais elle reste concentrée aussi sur son prochain objectif, c'est-à-dire les championnats du monde de patinage de vitesse qui auront lieu du 16 au 18 mars à Montréal. On l'écoute tout de suite. J'ai fait tout mon possible pour venir la voir. Je pense que je vais prendre les prochains jours un peu pour moi, juste me reposer un petit peu mentalement puis physiquement. Puis c'est sûr et certain que mes objectifs, ils restent les mêmes, de garder ma ligne directrice. Donc rapidement, on va se concentrer pour la prochaine Coupe du monde. Quelle discipline incroyable, cette jeune femme. La question qu'on se pose, Shani, maintenant, est-ce qu'elle a eu des offres déjà de commanditaires? Bien, on va voir si les contrats vont suivre. Vous savez, lorsqu'on voit une athlète comme ça, on ne peut pas rester indifférent. Hein? On regarde les courses, là, on vit une émotion, c'est vraiment intense. Actuellement, Kim a des commanditaires. On parle de Barrage Capital et de la Fédération des producteurs d'œufs du Québec. Donc, cette athlète profite aux marques, mais maintenant, avec 3 médailles olympiques de plus, évidemment, on pense que ça va faire naître de nouveaux partenariats entre l'athlète et de nouvelles marques. Donc, elle pourra vendre son image un peu plus facilement là, depuis cette gloire olympique. C'est d'ailleurs l'avis de son parrain d'excellence, Bruno Vachon, qui est convaincu que de nouveaux contrats vont suivre. C'est pas toujours nécessairement de gros gestes, mais c'est des petits gestes qui, à ce moment-là de leur carrière, mais tant mieux si ça peut les aider, parce que à ce moment-ci, je pense que Kim est avec le temps d'autres commanditaires beaucoup plus majeurs qui se sont joints à elle et c'est tant mieux. Et je pense qu'avec les médailles qu'elle a récoltées au jeu-là, elle aura, ils seront pas millionnaires, ils deviennent pas millionnaires, mais je crois que le support va pouvoir venir là. Mais tant mieux si on peut juste faire le pont, le lien, de les aider quand c'est le bon moment. Alors, Kim Boutin revient avec un bonus offert par le Comité olympique canadien pour chacune de ses médailles. Donc, elle a reçu de l'argent. On parle de 15 000 $ pour une médaille d'argent et de 10 000 $ pour chacune des médailles de bronze. Donc, pour un total de 35 000 $, une somme sur laquelle elle devra, bien entendu, payer de l'impôt. Oui, malheureusement. On lui souhaite en tout cas beaucoup de beaux contrats. Merci, Shani. Certainement. Au revoir.